Allez, à tout le monde, c'est Tazric Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 349, oui c'est ça, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien. Écoutez, souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait effectué l'épreuve basique de feu, donc allez voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu en mode normal. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'épreuve basique de foudre, mais avant, hein, on va du coup le faire avec Riju, hein, vu qu'on l'avait fait avec Unoball, l'épreuve basique de feu. Donc on va le faire avec les sous-prodiges, on va dire ça comme ça, on va le faire avec les sous-chefs. Donc on va utiliser la petite Riju. Alors du coup avec Riju à mon avis on va avoir des trucs assez badass logiquement. Donc on va skipper de ça parce qu'à mon avis, voilà. Hein, vous comprenez pourquoi je fais ça. Ah non, attendez, c'est peut-être pas rentable là. Qu'est-ce que je fais? 78. C'est un truc à 5. Donc ça veut dire 100. Donc il faut y dire que c'est à partir de 100. Ah, c'est même pas rentable du tout en fait. Non. On touche pas. Donc du coup, on va la laisser ici. Hein, on va la laisser ici. Et nous, ben, on va bosser là-dessus. Donc ça veut dire qu'on va tenter de... Ah, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va... par contre, non, s'il te plaît. Non. Non, c'est celui-là. Voilà, pour avoir le plus 5. C'est juste histoire d'augmenter encore plus les stats de celui-là. Donc du coup, ouais. Tac. Ouais, du coup, oui, mais non. Oui, mais non. Voilà. Au moins niveau 10, quoi. Comme ça, moi je le fusionne tranquillement. Parce qu'à mon avis, ça veut dire que là, niveau 14, niveau 15. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose. Donc, vaut mieux largement. On va monter ça à niveau 8. Comme ça, nous, derrière, on fait ça. Toujours la même couille, hein. C'est toujours la même couille de toute manière, donc écoutez, déjà au moins niveau 16, ça sera déjà bien. Et puis voilà, au moins on a notre petit truc, ça on le garde vraiment de côté parce que je veux pas en aucun cas le vendre ou quoi que ce soit. Donc écoutez, par contre on peut le lock, oui on la lock. Il faudrait qu'on vérifie si on peut pas lock des choses, voilà, on lock ça, parce que c'est très important. Putain, on a gagné de ces trucs avec Impa encore. Zelda, on a lock. On a lock et on a lock et lock. Parfait. En Mifa, on a lock et lock. Darouk, on n'a pas lock. Heureusement qu'on regarde, hein. Heureusement qu'on regarde parce que ça m'aurait bien fait chier. Là, on a lock et lock. Urbosa, on a lock. Parfait. Noya, on a lock. Alors, Noya, il y aura plein de choses. Sidon, on a lock. Toi, on a lock. Toi, on va te lock. Ensuite, Riju, on a lock. Ouais, je sais que c'est un truc que je pourrais faire hors caméra, mais voilà, j'aime pas faire les trucs hors caméra, comme je vous ai dit. On fait full, le 100% avec vous. Donc là, on la lock. Là, on lock. Attendez, j'ai lock, mais... oui, c'est bon, j'ai bien lock. Là, je lock. Allez, il manque plus qu'une dernière ligne, entre guillemets. Là, on lock. Là, on lock. Ensuite, on lock. Là. Ah, c'est mieux ça, donc... ah non, même ça. Dégâts causés par les ennemis, moins 4%. Bon, après, on s'en bat les couilles, quoi. Hein. Vaut mieux un prix de vente. Non, même pas. Non, au contraire. Donc, c'est même ça qu'il faut lock. Ok. Et elle, proie. Ok, bon, bah, c'est mille fois mieux ça, donc... on lock. Bon, ben tant mieux. Au moins, on sera un petit peu préparé. Ah non, oui, c'est bon, on sera quand même préparé. Donc, les amis, c'est parti. Alors, on va faire le fameux entraînement basique de foudre. Alors, vous êtes prêts, j'espère. Des monstres de foudre se sont rassemblés au domaine Zora. Ce sont les ennemis jurés des Zora. Tâchez de les repousser rapidement. Donc, on va utiliser. Hein. Donc, on peut voir qu'ici, en ennemis principaux, il y a des moblites de foudre, des sorciers électriques, les alphas électriques et des chouchous électriques, et même des chauves-souris électriques. Et on semble les couilles, Bon, du coup, on va utiliser la petite. Le petit Riju. Voilà. De détermination, parfait. Alors, du coup. T'es très bien habillé, c'est un truc de dingue. Et donc du coup, bah, les amis, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis, c'est bon. On l'a bien lock en normal. Et let's go.
bah écoutez, voilà pour cet épisode 349, quand même, mine de rien, ça, c'est la moitié de la semaine déjà. C'est la moitié de la semaine, donc j'espère en tout cas que pour vous, ça sera bien, enfin, vous n'aurez pas vu le temps passer. Alors, hop. Wouhou. Tac, attendez, tac, tac, non. Pas du tout ce que je voulais faire. Parfait. C'est pile au milieu, là. c'est juste pour un peu l'amusement. Alors, toi, oulala, il y a du monde. Ok. On reste sage. J'ai bien dit qu'on restait sage. Hein. Ok. Bon, bah, c'était assez instant, hein. C'est vrai que, par contre, on tue tellement tout le monde rapidement. Alors, question d'abord, est-ce que son... elle a un truc X? Oui, elle a un truc X. Appuyez sur Y. Ok, d'accord. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Ouais. Ah oui. Oh putain. Oh, 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 oh my fucking god. J'aimerais tellement pas être à la place des Alphas actuellement. Je vous jure que j'aimerais tellement pas être à la place des Alphas. Sinon. Enfin, oui, non, dans le sens. C'est même. Très maso, mais. Oui, non. Parce que ça serait tellement kiffant. Oula, attention. Hop. Ok, on reste sage. Toi, tu crèves. Si tu pouvais, vous pouvez crever les deux, ça serait bien. Ok, il y en a un de mort, mais l'autre non. Tac. Boum. Oh oui, mais génial. Bon, bah, c'était rapide. J'ai pas vu les chouchous, en fait. On a battu les chouchous. On a dû battre les chouchous involontairement. Je sais même pas si on a battu les chouchous. What the fuck? Bah si, normalement, je pense qu'on les a battus. Je sais même plus. Ok. Ok. Non, j'ai même pas le certificat de chouchous. Je sais pas où ils sont exactement les chouchous. Bon, c'est pas grave, en tout cas, on l'aura fait en mode normal. Bah écoutez, voilà. Bon, en même temps, hein, c'est les premières missions, donc c'est assez facile, c'est assez court hein, comme mission. Mais dites-vous qu'on en aura beaucoup, enfin, des longues dans le... Enfin, des longues, on va dire, un petit peu plus longues dans l'avenir. Bon, bah écoutez, au moins ça c'est fait. Donc on va pouvoir se retrouver pour l'épisode 350. Ah, Blood Moon, allez, please. Parce que ça serait bien, là, il manque que 3 épisodes cette semaine, donc on peut faire au moins... la bataille pour la machin chose. Non. J'en peux plus. Oui, évidemment, c'est quoi? C'est le truc de la... Je sais même plus c'est quoi ici. Ouais, d'accord. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Donc du coup, dans l'épisode prochain, on s'attaquera à l'épreuve basique de glace. Donc, vu que c'est de la glace, hein, ça veut dire que on va pas utiliser Revali. Je pense qu'on va peut-être utiliser Teba. Je pense que Teba, ça peut être une très bonne solution ici. Après, non, vu que, en fait, on a utilisé Daruk, mais à un endroit, il fallait pas utiliser Daruk. Donc, en fait, enfin, Yunubo, pardon. Donc, là, on a utilisé Riju dans un endroit, il faut pas utiliser Riju. Donc, de glace, en fait, ici, il faudrait limite utiliser, ben, en fait, pas Mipha, mais l'autre Sidon, honnêtement. Parce que là, c'est le camp de Revali, donc j'ai pas envie d'utiliser Teba. Voilà, c'est... voilà, donc j'aimerais bien... Bah, je pense que du coup, on utilisera le petit Sidon, non? Ouais, on utilisera le petit Sidon. Voilà, au moins, vous êtes un petit peu au courant. Donc, on configurera ses armes et tout. La fois prochaine, bah écoutez, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 349, normalement. Il me semble, attendez, que je dis pas de conneries. Normalement, oui, de notre aventure. Attendez, je sais même plus à la fin. 349, s'il vous plaît, dites-moi. 300, on a fait, alors, attendez, 46, 47, 48... 49, donc oui, c'est ça l'épisode 349, donc du coup, ben, la prochaine fois, on se retrouve pour l'épisode 350, du coup, pour notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et je vous dis, ben, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!